bienvenue. On va faire un mixeur aujourd'hui. Faire un mixeur, ou voir plusieurs mixeurs. Je vais sûrement faire plusieurs épisodes et les mettre ensemble. Donc on va faire notre premier mixeur qui est ici. Donc c'est celui-là du... Bah, honnêtement, c'est sûrement le premier que vous allez rencontrer. Ah, il est déjà préparé, j'ai mis des murs tout autour et tout ça. Donc on va faire celui-là. Pour l'équipement, je pense qu'on va rester comme ça. On va fermer. Je pense qu'on va rester comme ça. J'ai pris des flèches puantes aussi. On va prendre le masque à gaz. Je sais même pas les monstres qui viennent. Je crois que... Enfin, ça fait longtemps maintenant. Je crois que ça va être des fourmis. Mais je suis pas complètement certain que ça soit que des fourmis. Donc on va se préparer pour ça. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que mon masque est au max? Il est pas au max, mon masque. Bon, c'est pas grave. Donc on a ça, si jamais il y a beaucoup, si jamais il y a énormément d'ennemis, on va te sortir les flèches puantes, donc on mettra le masque à gaz. Et on va prendre des flèches normales aussi, juste hein, pour les dégâts tout simplement. Je pense pas que ça va être très très difficile, hein. Les bombes je pense pas qu'on en ait besoin, on va prendre du soin. Ça... Et ça va être notre équipement, donc saignement poison. Saignement poison. Ça me semble correct. Je vais rester avec l'arbalète, je pense. Enfin, j'en sais pas grand chose en fait. On a influence maternelle, on a plus de critiques, plus de dégâts critiques. Fourminator. Et mettre de la parade si jamais on doit aller combattre au corps à corps. Mais j'ai bien envie de rester comme ça et d'utiliser l'arbalète du coup. Je pense que ça sera potable. Je pense que ça sera potable. Mais comme j'ai dit, d'abord on fait flèche normale. Mais si vraiment on est submergé et tout ça, on mettra un peu du gaz partout. Ça ferait en théorie gaz plus saignement plus poison. Je sais pas après si l'AOE de gaz va faire en sorte d'infliger en fait le poison... Et le saignement, ou alors c'est vraiment le coup de la flèche en elle-même qui inflige ça. Mais bon. J'ai aussi le bâton, donc le bâton niveau 6, bâton épicé. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est des AOE, c'est une explosion à chaque fois. Et ça fait très mal. Ça fait tout simplement très mal. Donc bon, par contre ça va détruire les murs si on tire sur les murs aussi. Donc ça faut faire attention. Après on a notre katana, on a le gourdin. Le gourdin je sais pas. Le gourdin je peux le modifier en fait avec un élément. Je sais pas quoi mettre. Honnêtement, je pense qu'on va le laisser en puissant. Parce que ça va augmenter les dégâts au max. Et comme ça, on n'aura pas de problème d'éléments en fait, sur lui. Je pense vraiment ouais, le laisser au max pour cette arme-là. Il y a une arme que j'ai changée. Je sais plus trop quoi. Ouais, non, c'est la dague de la veuve. Peut-être que j'aurais dû la laisser en normal. Mais bon, je l'ai mis en frais. Mais bon, pour le moment, elle m'a bien servi. Donc ouais, on va partir. On va partir. On va prendre... je pense qu'on va prendre ça. On va prendre... Excusez-moi, j'ai encore un peu mal à la gorge. On va prendre des rôtis. On va prendre des rôtis, on va le mettre là. Je pense qu'on est bien comme ça. Je pense qu'on est potable, que ça devrait bien se passer. J'ai fait une bonne défense, honnêtement. Je vais être honnête, j'ai fait une bonne défense. Il y a des murs bien, bien épais. C'est des murs bien, bien épais. Donc, ça m'étonnerait que ça passe. Parce que, bon, c'est le premier, ça ne devrait pas être très, très compliqué. Et de ce que je me rappelle, bah, c'était surtout des fourmis, quoi. Donc, bon, ça devrait aller. Alors, on a une arbalète niveau 9. Après, tout le reste de nos armes, ça vacille entre... Bon, bah la masse, c'est 5. Mais après, c'est du 7, la plupart du temps. Et notre petite masse, là, chewing-gum, là, elle est 8. Donc, ça va. Attendez, où je vais, là? Le mixeur, il est là. Laissez-moi tranquille. Ok, c'est bon. On va enlever la mutation de vitesse. On va enlever ça.
Ah là là, t'es sérieux, cassez-vous là. C'est bon? Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'es sérieux? Ah, mais je dois tuer des punaises. J'ai complètement zappé ça en plus. Oh là là! Non mais, sans déconner quoi. Merde, ma flèche, elle est partie, je sais pas où. Oh mon dieu. Ah, c'est bon, on peut jouer ou pas? Est-ce que je peux faire ce que je voudrais? S'il vous plaît, on va prendre le repas. Grub time. Attendez, on va mettre le masque, comme ça on avance. Voilà. Voilà, normalement, on devrait faire très mal. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai mis le pendentif là aussi. Donc, ça va être notre équipement. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait un escalier là pour monter. Alors, c'est à ça que ça ressemble, mes murs. Donc, on a. Bah, tiens, là, j'aurais pu en rajouter un comme ça en fait. Enfin, bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est des murs entrelacés comme ça. Donc, oh putain, attends. Sans déconner, je suis tombé au milieu. Non! Non! Oh le débile! Oh le débile! Oh le débile! Putain, je déteste ce jeu. J'en ai marre. J'en ai marre. Mais con qu'on récupère pas toutes notre nos ressources. Putain. On va faire ça du coup. Comme ça. Voilà. Donc ouais, c'est des murs entrelacés. Honnêtement, c'est. Ah, faut un petit moment hein, pour passer ces murs-là. Hein, donc ça devrait bien se passer, je pense. Donc voilà, ouais, on y va. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait un dossier, je l'ai pas pris la dernière fois. Burr, comme je le pensais, le nouveau appareil mixeur sont capables de fouetter la science brute pour en faire un concentré prenant une nouvelle teinte orange à mesure qu'elle approche de la stase. Si vous n'avez pas essayé de mélanger la science, nous n'aurons peut-être pas découvert cette curieuse propriété. Maintenant, nous devons l'affiner davantage et lui trouver une utilité. N'oubliez juste pas de garder un œil dessus pendant la production. Le flux d'oscillation et particules semble trop important pour générer un champ de confinement. Je vais la garder à part au cas où quelque chose tournerait mal. Ça marche. Donc ouais, c'est parti, c'est un petit mixeur ça, donc ça devrait aller. Hop là. Ah c'est marrant, ça monte. Ah oui, c'est une défense aussi, je pourrais mettre... attendez, on va augmenter l'attaque au max. Qu'est-ce qui se passe? Ah ok, d'accord. Elles sont déjà là. Ah, j'ai pas mon... Putain, mon truc pour réparer. Oh! On fait du corps à corps. Tiens.
Ah ouais. Pourquoi il meurt? Ah, il a été empoisonné, je pense. Dans le mixeur. Ah, c'est classe. C'est classe, c'est classe. Ok, là. Bah, au final, c'est plus efficace de d'y aller au corps à corps pour le moment. À moins, il faut... Ah, ou alors, il faudrait que je fasse un toit. Mais bon, il y a tellement d'herbes, c'est la merde. Ouh la vache, il tourne vite. Il y a tellement d'herbes tout autour, c'est la merde pour tirer, en fait. Donc, ouais, on reste à la mêlée. Peut-être qu'on peut prendre ça. Ah, je pense qu'on est bon. Ah, 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 ah. Tiens, je pourrais mettre la mutation aussi pour pouvoir faire du venin avec ça. Sympa avec Wendell. Oh la vache. Partout, des petites trucs partout. Ouh, ça va bientôt finir. Est-ce que ça va exploser? Wow. Overdrive du mixeur réussi. Okay. On prend. Science brute. Cool. Ok. Bon bah, c'est fait. Bon après c'est le premier, hein, c'est pas très très difficile. Après on a des méga mixeurs aussi. Donc un peu de science brute. Bon bah ça va, on était surpréparé hein, évidemment. Bon honnêtement je pensais qu'on allait être surpréparé, hein, je suis pas étonné. Mais c'est sympa. En plus, on a pas mal d'attaques, genre entre les coups critiques, ça aussi, Forminator et tout. Là, on faisait très mal. Donc, ouais, ça, c'était notre premier mixeur. Bienvenue, on est reparti pour du mixeur. Donc, on va s'équiper. Je préfère commencer depuis la base, comme ça, on réfléchit un peu à l'équipement. Donc, on va faire le mixeur ici. Donc le mixeur de la haie, c'est aussi un mixeur normal, donc ça devrait aller. Alors autour, il y a beaucoup d'araignées et peut-être des larves. Je sais que là, il y a des moustiques, mais j'imagine que ça va surtout être des araignées. Je crois qu'on l'avait déjà lancé une fois. Je crois que c'était des larves qui étaient venues, honnêtement. Je pense que c'était des larves qui l'avaient détruit, parce que j'ai dû le réparer. Donc ouais, on l'avait déjà lancé.
En tout cas, on a pris donc flèche en bois, flèche puante. Ok. C'est quoi, c'est des... Donc ouais, on s'est équipé comme ça, toujours pareil, le même système. On va prendre faut faire un repas. Ah, j'ai pas envie de faire un repas. Non, on va y aller. Je crois qu'on est bien comme ça. On est bien comme ça. On a l'épée au cas où. On a donc notre katana. Ça, c'est on prend le masque Ega si jamais on doit utiliser les flèches puantes. On a notre gourdin. Katana, on a ça, le bâton épicé. Je voudrais un peu l'utiliser. Je l'ai un peu utilisé vite fait sur des monstres un peu au hasard. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Je crois qu'il y avait vraiment bien un bon problème à un moment où ils ont dit qu'ils ont corrigé les bâtons. Où vous l'augmentiez en fait, mais ça augmentait pas les dégâts en fait du bâton. Donc ouais, il fait extrêmement mal celui-là de feu. Je pense que celui-là de feu est vraiment top pour le niveau de dégâts, parce que c'est AOE dégâts en fait, c'est ça qui est vachement bien. Donc ouais, on va utiliser ça. Ah putain. Tiens, c'est marrant, ça m'enlève pas ma vitesse. Même si je me fais toucher, c'est la première fois que je me fais toucher avec la mutation en fait. Et même si je me fais toucher, ça n'enlève pas ma vitesse. Elle est vraiment buggée cette mutation, hein, depuis la 1.0.4 là. Genre si vous tuez des charançons et tout ça avec la mutation, vous êtes ralenti, genre moins 100% de vitesse, un truc comme ça, c'est un truc de ouf. Vous devez genre tuer un truc pour pouvoir récupérer votre vitesse, c'est une catastrophe. Donc ouais, ils ont un peu merdé sur ce coup-là. Ils ont un tout petit peu merdé. Ok, on est là. On va passer par là, je crois. Alors, on devrait pas avoir besoin de la lumière. Détruit. Ok, c'est par là-bas. Ouais, on y voit assez. Donc ça devrait pas être trop difficile non plus. Enfin, je crois pas en tout cas. Ouais, il y a une boîte là. On l'avait déjà ouverte, ok. Ah, j'ai trouvé une molaire ici. Elle était dans le coin là, je crois. Bah ouais, dans le coin là-bas. Au passage. Mais ouais, ça va être beaucoup de saloperies à 8 pattes hein, ici, hein, je crois. Je crois que ça va être beaucoup de ça. Là-bas. Ouais, ici ça va être beaucoup de ça. Donc on va voir un peu. Ok. On y est. Alors on va faire ça. Très bien. On va détruire ça. On va s'équiper. Parfait. Enlever ça. On va mettre la défense. Fourminator, on n'a pas besoin. Très bien, très bien. Je mets ça juste au cas où. Quoique, je devrais peut-être mettre la résistance au poison à la limite, si c'est vraiment beaucoup d'araignées. Ça, on sait jamais. Nickel, nickel. L'eau, un petit coup. On est bon. On a notre équipement qui est bon. On a ça avec des carreaux normaux pour le début. J'ai fait un petit escalier comme ça. Même à l'intérieur, là, on peut. Donc ouais, peut-être qu'on peut tirer tout simplement depuis le dessus. Parce que là, cette fois, en fait, il n'y a pas d'herbe en fait, pour nous bloquer. On peut peut-être faire sniper. Alors, en tout cas, c'est le même système, hein, les murs. J'appelle ça mur entrelacé, je sais pas si c'est ça vraiment ça explique, mais voilà. Je trouve ça cool. Je trouve ça déjà stylé, honnêtement. Et puis, c'est très résistant, hein, il faut vraiment y aller hein, pour pouvoir les détruire. Et on a notre répartout ici, juste au cas où. Donc ouais. C'est parti. Hop, on a la masse. Les araignées sont faibles à quoi? Ah oui, tiens, non, on va tester ça. On va tester le bateau. Allez, c'est parti. J'espère qu'il va... Il n'y a rien qui va... Qui va voler. Ok.
bien. Cool. Alors, en théorie, le bâton, du coup, il ferait donc dégâts de feu épicé, évidemment. Ah, ça, c'est sa puissance d'attaque. Donc, niveau 6. Et en théorie, on devrait faire poison et saignement aussi sur les dégâts. Donc, c'est pour ça que l'autre, elle est morte, par exemple. Et c'est des explosions, donc c'est des dégâts d'AOE aussi. C'est de la zone, quoi. Donc, ouais. C'est plutôt bien, je pense. Et je pense que c'est sûrement un des meilleurs bâtons. Non, trop loin. Okay, pas mal. J'aime bien parce que ça commence à trembler et tout, plus ça bouge. On va faire ça. Après que je tombe au milieu, ce serait bien. Après là, il y a du mur et tout, donc en théorie, on devrait pas se faire attaquer. Ah, ok, on est là-bas. Ah putain, tu me fais chier, Wendell. J'essaie de pas toucher le mur. Et boum. Oh la salope. Oh, oh. Hey, doucement. What the fuck? Ah, d'accord, ok. J'ai cru qu'ils étaient déjà à l'intérieur. Genre qu'ils étaient apparus à l'intérieur. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru que ça tapait sur dans le mixeur en fait. Parce que sur le coup, l'overdrive, là, je me suis dit, putain, c'est la vie en fait. Putain, mais. Ah ouais, non, non, mais ça apparaît derrière quand même. Oh là là, je suis bloqué! Faut pas sous-estimer. Hein. Ça met du temps à réparer quand même. Hein. C'est bien parce que ça fait AOE du coup, ça met poison et saignement. Enfin poison peut-être pas. Ouh, sorcier tailleur de yes. Ah oui, merde, je l'ai pas mis. C'est cool. C'est vrai que j'ai complètement oublié. Ah, faut pas sous-estimer hein, quand même. Ça peut être dangereux. Même si ça semble facile. Yes. Overdrive, mixeur, réussi. Chien de garde 2. Yeah. La science.
Ah, ouais, à un moment, j'ai cru que les larves, elles étaient rentrées à l'intérieur. Bon, je sais pas quelle raison. Mais non. Bon, bah, c'était larves et araignées, du coup. Bonjour, bienvenue, on est reparti. Donc, on va faire le... Celui-là. Le mixeur qui... Bah, il est pas sur la map parce que ce jeu est nul. Mais le mixeur qui est quelque part ici. Donc, je suis allé le barricader tout ça. Et on va faire une autre chose. J'ai vu qu'on pouvait en fait fermer le truc de gaz là. C'est ça? Le punch. Non, ça doit être ça. Le truc de gaz qui pollue en fait la zone. On peut aller le fermer avec un chewing-gum. Donc je vais vous montrer ça en même temps. Alors par contre, donc on va combattre des trucs infectés. Ils sont tous sensibles au frais en fait. Et ils sont résistants à l'épicé. Donc ça c'est un peu embêtant pour moi parce qu'on va pas vraiment pouvoir utiliser le bâton. Donc je me suis dit, enfin le bâton de feu. Donc je me suis dit on va peut-être prendre le bâton de menthe à la place. Et voir si on peut utiliser ça. Mais je pense qu'on va plus passer notre temps à tirer avec l'arbalète parce que tout explose là-bas, hein, je vous rappelle. Donc ouais, ça va être un peu embêtant, on va dire. Donc ça va être un tout petit peu spécial. Donc, endurance en combat, on va tous aimer un maintenant, on va prendre deux, voire trois, juste au cas où. Oui, non, c'est bon. Ok, on est nickel. On y va. C'est parti. Attendez, j'ai bien le... Je pense qu'on est bon. Ouais, je pense qu'on est bon. Donc ouais, donc c'est, il y a beaucoup de, bah ça va être tous les trucs infectés en fait, donc on va garder le masque à gaz. Je pense que les flèches puantes du coup ça fonctionne pas parce que c'est dans le gaz de toute façon. Donc je sais pas si ça marcherait, donc du coup bon je les ai pas mis au final. Je les ai pas prises avec moi je veux dire. Ah Wendell t'es vraiment relou quoi. T'es vraiment relou. Ok, c'est bon. Donc oui, on va utiliser ça comme équipement. Alors j'ai fait un peu plus de défense cette fois. Faudra monter dessus pour couper le gaz. Ah, on verra ça plus tard. Ah oui, je peux aussi faire un... Oh la vache! Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Okay. Je peux aussi placer un repère, ça sera pour mes missions, il faut que je le fasse aussi. Mais on verra ça plus tard. Donc on a notre masque à gaz, on va le garder tout le long. Donc du coup on va pas pouvoir faire du saignement, du poison pardon. Donc ça c'est un peu embêtant. Par contre il y a des trucs qui explosent là. Ah merde! J'ai fait de la merde! Putain de mutation de merde quoi. Attendez, parce que là ça va, ça peut me coûter ma vie. Et ouais, je suis bloqué. Ok, on est bon. Vite, vire-moi cette merde. Ah, qu'est-ce que c'est chiant ce bug là de mutation de rapidité. J'espère vraiment qu'ils vont vite le fixer parce que honnêtement, ça gâche un peu le jeu. Ça gâche un tout petit peu le jeu. Donc ouais, ça vous ralentit énormément si vous êtes pas au courant. Pour le moment, ça n'a pas encore été fixé. Alors, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Donc on a des murs en plus exprès pour ce que. Ils vont sûrement peut-être tirer en fait de loin. Genre les coccinelles, tout ça le tire. Donc du coup j'ai monté les murs là pour éviter que ça tombe en fait directement dans le mixeur. Donc j'ai fait ça. Je pense que c'est pas mal. Donc on va équiper ça. Donc Alors là on a quoi? Là on a la défense. On est au niveau 2, c'est bien. Plus de critiques, c'est bien. On fait venir les petites araignées, ça va nous aider. Le sorcier tailleur, je sais pas trop si ça va aider. Parce que, bon, on a celui-là. Donc, celui-là, c'est ça. C'est un truc proche, en fait. C'est une attaque proche.
Mais ça risque de faire des bons dégâts, parce que quand même les dégâts sont élevés. Donc je sais pas, on va voir. De toute façon, je crois que j'ai rien d'autre vraiment à mettre. Après, on peut mettre de la défense et tout, mais bon, vu de l'ingue, c'est pas vraiment utile. J'ai envie de dire. Donc ouais. Et après, on a l'arbalète, comme d'habitude. Bon, allez, c'est bon. Parti, on y va. C'est parti. Hop là. Mixeur activé. Putain, déjà? La vache, quoi. Ah ouais! Ah! Ok. Ok, faut que je boive un coup. That was refreshing. Ok, pas mal, pas mal. Le coup du. Bon, ça fait saignement du coup quand on fait le bâton ou l'arbalète, mais ça fait pas poison. Après, j'aurais pu faire une potion pour m'immuniser pendant, je crois que c'est 3 minutes le max. Comme ça, on n'a pas besoin d'utiliser le. On n'a pas besoin d'utiliser le. Le masque. Mais... Pas mal, pas mal. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ah, 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 les petits. Nickel. Bien. Oh. Ah, là, là, là. Ouais, merde. Les choux là, ça c'est... Ça, à la limite, faudrait bâton de feu, je pense, mais ça fait pas vraiment de dégâts sur eux. Je suis en stress, je suis à l'affût là. Je suis à l'affût de quoi que ce soit. Oh putain! Fait des très bons dégâts. Même le. Oh la vache. Oh, on est sûr. Oh la vache. Okay. J'ai tenté, c'était très cool. Ouais, non, content du bâton de froid. Après, ils sont faibles contre le froid aussi. Hein. Mais ouais, très 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 potable. Très très potable. Oh mon dieu. C'est bon.
Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Oh merde. Yeah. Mixeur fini. Regarde les objets qu'on peut. Objets qu'on peut vite récupérer. Non, ça va, ça va, ça va. Vous faites ouais plusieurs rangées comme j'ai fait là, c'est pas mal, hein, ça aide. Ça aide bien. Voilà. Les murs principaux n'ont même pas été touchés. Pardon. On va les réparer, ça sera des vestiges de combat passé. Je trouve que c'est pas mal. Des vestiges de combat passé. Hop, hop, hop. Donc j'allais utiliser mon ancien, j'en ai plein. J'ai combien? Je suis à 10k. Je suis à 10k de science. Alors, attendez. Alors, ok, on a fini ça. Je vais faire une petite parenthèse. Et on va faire ça là. On va fixer ça. Le gaz là qui sort. Alors là, il y a un truc. Rien touché. Alors j'ai vu que je suis monté la première fois en faisant un peu, en me baladant un peu. Alors je sais qu'il y a une branche, mon Dieu, qui vous permet de monter. Moi j'ai utilisé les champignons personnellement, mais il y a une branche qui vous permet de monter ici en fait. Voilà. Honnêtement, je sais pas si on aurait pu faire ce saut là. Il y a un chewing-gum là. Si vous avez besoin de chewing-gum apparemment. Non. Merde. Il y a un chewing-gum là, si vous avez besoin de chewing-gum apparemment. Take 2. Ok, alors on y est. Oh, il y a le corbeau. On va monter maintenant. Je sais pas si on va pouvoir monter en fait avec le corbeau. Je sais qu'une fois, moi, j'ai voulu m'approcher du corbeau quand il était sur un des endroits et il y avait un mur invisible. Voilà. Ouais, on devrait être bon. Je vais juste prendre la torche. Okay. Bonjour Monsieur Corbeau. Ok. Et ça, il faudra que je mette un lieu ici. Très bien, on va utiliser le chewing-gum. Hop. Avec le corbeau, c'est marrant, tu vois. Ok. Donc, qu'est-ce que je viens de faire maintenant? Donc ça y est, c'est fini, il n'y a plus de cases. Wendell, qu'est-ce qui vient de se passer? Explique-moi. Bon, bah ok, bah c'est fait. On verra ce que ça fait dans les jours suivants. Yay! On a fait ça, on a fini ça. Donc on aurait pu le faire et plus avoir le problème du gaz en fait. Oh la vache. En tout cas, mixeur suivant. Et nous sommes de retour, donc prochain. Where are you off to, Ant? Bonjour. Prochain mixeur devrait être le dernier des petits mixeurs. Ah, donc on va y aller. Donc je me suis équipé. Ça va être dans le bac à sable, donc il faut de l'anti-grillade. Il me faut un peu de soin. Donc en théorie, il devrait avoir que des. C'est quoi, des fourmilions là-bas?
ça. On va faire un peu de soin jusqu'au cas où. Mais honnêtement, les fourmilions, ils sont super simples. Ils sont, enfin, pour nous, maintenant, ils sont super simples. Fais voir un peu. Fourmilions. Donc, taillade salée. Donc, il faudrait une épée salée. J'ai pas épée salée. J'ai ma masse qui est salée. Honnêtement, j'ai ma masse qui est salée. Ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Donc, je vais essayer deux parties. Plus la mutation. Protection contre la grève, ça devrait être bon. Au pire, si jamais j'ai le chapeau aussi. Si jamais c'est un peu trop la merde. Ouais, taillade salée. Qu'est-ce que j'ai après? Et ça qui est niveau 5. On va pas la mettre salée parce que c'est un peu du gâchis, je pense. J'ai mon poignard de la veuve. Ils sont forts contre le feu et la glace. Non, mais je crois qu'avec simplement la masse et puis des carreaux et puis voilà quoi. Après au pire j'ai ça, hein, j'ai le gourdin aussi. Donc ouais non, devrait être bon, hein, devrait être bon. Prendre des rôtis, il n'en reste presque plus, faut que j'en récupère. Ah tiens, ce qu'on peut faire c'est endurance en combat. Bon. On y va. Donc ouais, dernier mixeur. En tout cas du petit, comme j'ai dit. Dernier petit mixeur. Et après, on va faire les gros et tout ça. Ah, j'ai pas pris le pendentif. En anglais, il s'appelle le pendentif de Thor. Et en français, il s'appelle seulement le pendentif. Très, très, très bête. Très, très bête. Il y a, honnêtement, la VF est... Et j'ai pas envie de dire que c'est que c'est mauvais, hein, parce qu'il y a toujours pire, mais elle est vraiment pas bonne. Elle est vraiment pas bonne. Il y a plein de choses qui sont fausses en fait en français, plein de descriptions qui sont mauvaises, plein de traductions en fait qui passent de l'anglais au français qui sont mauvaises. Et ça c'est très embêtant je trouve. Parce qu'il y en a même qui sont débiles. Genre, vous rappelez, j'avais déjà montré. Je sais pas pourquoi je parle de ça, parce que c'est le pendentif. Ça fait con de dire, j'ai oublié le pendentif. Ouais, mais le pendentif, lequel? Bah ouais, bah le pendentif qui s'appelle pendentif. C'est ça. C'est pour ça en fait que je parle de ça. C'est débile. Parce que ouais, comme j'ai dit en anglais, il s'appelle c'est le pendentif de Thor. Enfin bref, il y a un accessoire qui donne de l'effet en fait d'avoir des attaques de feu. Et après, il y en a un autre qui fait les attaques de froid, du coup. Et l'attaque de froid, voilà, en anglais, c'est fresh attack. Parce que fresh, pour dire que c'est froid. Et en fait, ils l'ont traduit comme si fresh, c'était nouvelle, en fait. C'était nouveau. C'est genre... quel exemple je pourrais donner en anglais, fresh? Ouais, enfin, fresh, ça veut dire aussi nouveau en anglais, en fait, le problème, c'est ça. Donc, du coup, il y a écrit nouvelle attaque, quoi, au lieu d'attaque de froid. C'est débile. Ça va, la loup? Je voudrais bien pouvoir lui tirer dessus pendant que je suis sur la tyrolienne. Donc, ouais, vraiment con. Vraiment, vraiment con. Mais il y a plein de petites choses comme ça, qui sont complètement... qui ont pas de sens, en fait. Donc ça c'est triste. Ouais, on est bon. J'ai le truc pour réparer aussi au pire. Donc j'ai fait le même système hein, encore une fois. Je vais pas mettre les équipements là qui me font courir plus vite parce que il y a quand même beaucoup de problèmes depuis cette mise à jour là avec la vitesse du personnage entre la mutation et même quand je mets les chaussons, des fois j'ai l'impression que je suis ralenti quand je me fais attaquer. Donc pour on va rester comme ça, on va passer le petit pont normal quoi. On va
passer le petit pont normalement. J'ai acheté aussi la mutation qui augmente l'endurance. On va peut-être faire ça. Quoique, enfin, on va faire... Je sais pas si on va faire du corps à corps, en fait. Oh, putain. Débile d'abeille, quoi. Qu'est-ce que j'en ai marre. Okay. Casse-toi. Merde, je sais pas si je lui ai pas dit de s'arrêter à Wendell. Merde. Mince, on n'aura pas Wendell. Fais chier, j'avais complètement oublié ça. Je crois que j'ai dû lui dire de s'arrêter quelque part et j'ai complètement oublié de le récupérer. Merde. Il est où ce con? À la base? Peut-être à la base en fait. Ouais, je sais pas. C'est pas grave, on aura ça tout seul. Sinon les mutations, apprendre les petites araignées, ça aide. Ouais, le reste est bon. Le reste est bon. Donc c'est là-bas. Hein. C'est là-bas. Donc on a 80 flèches aussi. Mais vu que ça va être que des fourmilions, honnêtement, je pense que ça va pas vraiment être utile de tirer des carreaux. Donc je crois qu'on va juste taper à la masse en fait, tout simplement. On va tout simplement taper à la masse, puis basta quoi. Du coup, ça. Ouais, non, c'est bien. Taper à la masse, à la limite je pourrais utiliser ça. Alors, fais voir un peu la grille. Ça va. Ça va, on peut rester avec cet équipement. On peut rester avec cet équipement. Bon, on est prêt. Je pense qu'on est prêt. Let's go! C'est parti. Donc même système, même type de mur et tout ça, entrelacé, tout ça, etc. Mixeur. Hop là. They're coming! Par contre, j'ai pas mis le... What the fuck? Ah, il est là. Quoi. Pas mis l'attaque augmentée. Si j'enlève ça et que je fais ça, tu peux voir la grillade. Là, ça augmente quand même pas mal. Wow, ok. Étrange, ils s'en foutent complètement de moi. Et le dégât qu'ils font, quoi, c'est ouf. Ah, je peux mettre à l'ombre ici, ça va, c'est cool. Ah, mais ça prend en compte même les bâtiments en fait que vous avez créés, ça je savais pas ça. Ça je savais pas du tout. C'est nettement mieux ça. Par contre, ils font très mal au mur et tout. Ok, d'accord. Okay, très bien.
j'arrive pas. Plus d'endurance. C'est le mur de l'intérieur en fait. Nickel, merci les petites araignées. Merci. That was refreshing. Ah, c'est un peu la merde, hein, honnêtement. Enfin, faut bien... Ouais, faut faire plusieurs murs, parce que... Parce que... Bah, ils apparaissent directement sur les murs, en fait. Having a little peep. Ah, putain, j'aurais dû... Le coup. Quand je l'ai vu rentrer dans le sol, j'aurais dû faire attention. C'est lag, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est l'araignée qui l'a fait. Les ennemis réagissent un peu bizarrement. Un peu bizarrement quand il y a les petites araignées. Genre ça les propulse et tout ça, enfin ils passent dessus, c'est un peu chelou. C'est un peu étrange. Tada! Bon, c'était vraiment de l'overkill à chaque fois, mais au moins c'est fait. Donc, tous les petits mixeurs sont faits maintenant. J'ai 2006. Tous les petits mixeurs sont faits. Du coup, il reste plus que les gros. Honnêtement, je me rappelle plus vraiment où ils sont placés. Je crois qu'il y en a en haut du jardin, on en avait vu. Je crois qu'il y en a un par là. Je sais pas s'il est sur la map. Des fois il s'affiche. Je comprends pas aussi ça. Genre, des fois, ça s'affiche sur la map, des fois, non. Genre, je comprends pas du tout. Genre, là, il y a écrit le mixeur. Il y a écrit mixeur. Dans le gaz, il y en avait... Ah oui, si. Il y est. Et celui-là, il y est. Bah, attends. Ils y sont, maintenant? C'est moi qui dis de la merde? Peut-être moi qui dis de la merde, alors. Mais enfin, il reste les gros mixeurs. Oh, il y en a un sous le cabanon, je crois, aussi. Oh la vache, on va s'amuser. Ouais, il reste les gros mixeurs, ça va être fun. Donc, on se retrouvera pour ça, pour une autre vidéo où on fait tous les gros mixeurs. Je vais peut-être, genre, activer les mixeurs pour voir, en fait, ce qui arrive de tel type de monstre et tout ça. Enfin, de toute façon, les monstres, à chaque fois qu'ils arrivent, c'est toujours les monstres autour, en fait, de la zone. Mais ce que je veux voir, surtout, c'est... est-ce que c'est violent ou pas? Genre, est-ce qu'il faut faire un toit? Est-ce qu'il faut protéger tout ça? Donc, ouais. Je verrai ça. Et...
Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Bonne chance pour vos mixeurs à vous. Les petits sont simples. On verra pour les gros. À la prochaine, ciao.